parlons maintenant dans cette vidéo des effets de la crise économique mondiale de 1929 en Amérique latine. Tout d'abord, rappelons que cette crise, également connue sous le nom de crise du krach boursier de 1929, j'y ai même d'ailleurs consacré une vidéo entière à ce sujet que vous pouvez retrouver ici en description ou alors en lien. Donc ce krach boursier a eu un impact profond sur l'économie mondiale. Bien que l'Amérique latine ait été considérée à l'époque comme un marché émergent, c'est-à-dire une économie qui est en train de se développer rapidement, qui a un potentiel de croissance élevé, mais qui n'a pas encore atteint le niveau de développement économique des pays dits avancés. Malgré tout cela, l'Amérique latine a été très touchée par la crise. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner comment la crise a affecté l'Amérique latine, quels ont été les facteurs clés qui ont contribué à sa propagation dans la région entière, ainsi que les mesures prises par les gouvernements latino-américains pour tenter de contrer les effets de la crise et les conséquences sur le plan politique. La crise économique de 1929 a eu un impact majeur sur l'Amérique latine, qui a été l'une des régions les plus touchées en dehors des États-Unis, et notamment en raison de sa forte dépendance aux exportations de matières premières telles que le café, le cacao, le caoutchouc, le sucre et le coton. Car effectivement, ces matières sont produites essentiellement et principalement dans les pays d'Amérique du Sud. Lorsque la demande mondiale de ces produits a diminué à cause de la crise, l'économie latino-américaine a été gravement touchée. Les exportations de l'Amérique latine ont diminué de près de 60% entre 1929 et 1933, ce qui a entraîné une réduction de la production et de l'emploi dans la région. La chute de la demande mondiale de ces matières premières a aussi entraîné une diminution de leur prix, réduisant ainsi les revenus d'exportation et impactant négativement l'économie de ces pays. On peut donner l'exemple de l'Argentine, qui était alors l'un des principaux exportateurs de viande et qui a vu ses exportations, de viande justement, chuter de près de 50% entre 1929 et 1932, entraînant une baisse de ses recettes d'exportation et une augmentation du chômage. Parlons maintenant d'un autre phénomène qui a pu aggraver les choses. En effet, avant 1929, un grand nombre d'ouvriers sud-américains avaient émigré aux États-Unis et envoyé souvent à leurs familles des fonds ou de l'argent issus de leur travail. Avec la crise, on assiste ainsi à une très forte réduction de ces envois, tout simplement car les ouvriers expatriés se retrouvent aussi, à leur tour, sans emploi. Ce qui a des répercussions importantes sur les économies des familles auxquelles on envoyait de l'argent, notamment en réduisant le pouvoir d'achat des populations les plus pauvres ou restées au pays. C'est fini, me direz-vous ? Eh bien non ! Il y a un autre problème directement lié à cette crise de 1929, celui de la dette. Les économies latino-américaines étaient en effet à l'époque étroitement liées au système financier international qui était dominé par les États-Unis. Notons tout d'abord que les investissements américains en Amérique latine ont diminué considérablement en raison de la crise, et cela se comprend assez facilement, entraînant du coup une diminution des prêts et des investissements étrangers dans ces mêmes pays. La diminution de l'investissement étranger a ensuite un effet multiplicateur, entraînant une diminution des emplois et des revenus, une baisse de la consommation intérieure et une baisse de croissance économique, et bien sûr en conséquence, une augmentation du chômage. Ensuite, un autre problème se pose. Les gouvernements latino-américains avaient en effet contracté de nombreuses dettes en empruntant aux pays étrangers ou aux banques étrangères pour financer leur développement économique, ce qui les a rendus vulnérables face à la crise financière internationale. Cette situation a été aggravée par la réduction des recettes fiscales, résultant de la baisse des exportations, comme nous l'avons vu précédemment. Et oui,
les recettes fiscales des gouvernements dues aux taxes sur les exportations ayant très fortement diminué, les États d'Amérique du Sud se retrouvent fortement déficitaires. Ainsi, les pays comme le Brésil, l'Argentine, le Mexique ont été obligés de suspendre leur paiement de dettes étrangères, ce qui a entraîné une crise de la dette qui a eu des conséquences économiques et sociales durables sur ces pays. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Parlons maintenant du Brésil. Depuis la fin du 19e siècle, le Brésil avait connu une période de forte croissance économique grâce à la production de café qui était devenue sa principale exportation. Cependant, cette dépendance excessive à un seul produit a rendu l'économie brésilienne vulnérable aux fluctuations du marché international. En 1929, avec cette crise, économique bien sûr à l'échelle mondiale, le marché du café s'effondre, entraînant une chute des exportations brésiliennes et une grave crise économique puis politique. Notons déjà que le système politique brésilien était marqué par une instabilité chronique. Depuis la proclamation de la République en 1889, le pays avait connu une série de régimes instables avec des présidents qui ne parvenaient pas à rester en place très longtemps. En 1930, le président de l'époque, Washington Luiz, a été évincé du pouvoir par un coup d'état militaire mené par Getúlio Vargas. Vargas, qui était alors le gouverneur de l'état du Rio Grande do Sul, a rassemblé autour de lui des groupes politiques et des militaires mécontents du régime en place. Sa prise de pouvoir a été appuyée par des secteurs de la société brésilienne qui voulaient un changement de régime politique et qui croyaient que Vargas serait capable de remédier à la crise économique. Vargas a mis en place un régime autoritaire connu sous le nom d'État nouveau, qui a duré jusqu'en 1945. Pendant cette période, il a mené des réformes économiques, sociales et politiques importantes, telles que la création de lois du travail et la nationalisation de certaines entreprises. Cependant, son régime a également été marqué par une répression politique, une censure de la presse et des restrictions aux libertés civiles. Voyons maintenant l'Argentine. Comme le Brésil, depuis la fin du 19e siècle, l'Argentine avait connu une période de forte croissance économique, grâce là aussi à l'exportation de produits agricoles, en particulier la viande et les céréales. Cependant, cette croissance économique s'est accompagnée aussi d'une forte dépendance aux marchés internationaux et le pouvoir économique se retrouvait à cette époque, entre les mains d'une petite élite, tandis que la majorité de la population vivait dans la pauvreté. La crise économique mondiale frappa de plein fouet l'Argentine, entraînant une chute des prix des produits agricoles et une contraction de l'économie. Les travailleurs agricoles et industriels ont commencé à se mobiliser pour revendiquer des droits et des meilleures conditions de travail. Mais les gouvernements successifs ont répondu par la répression et la violence. C'est en 1930 qu'un groupe de militaires dirigé par le général José Félix Uriburu a organisé un coup d'état militaire contre le gouvernement alors en place, dirigé par le président Hipólito Yrigoyen. Uriburu et ses partisans ont justifié leur coup d'état en affirmant que le gouvernement Yrigoyen était corrompu et inefficace dans la gestion de la crise économique. Le coup d'État a été appuyé par une partie de l'élite politique et économique argentine qui espérait que les militaires seraient capables de rétablir l'ordre et de mettre en place des politiques favorables à leurs intérêts. Le régime militaire d'Uriburu a instauré un État là aussi autoritaire qui a duré jusqu'en 1943. Le nouveau gouvernement a suspendu la constitution, a réprimé les opposants politiques et a imposé une censure de la presse. Le régime a également mené des réformes économiques visant à moderniser l'économie argentine et à diversifier ses sources de revenus, en mettant notamment l'accent sur l'industrialisation. Malgré tout, le régime militaire a été marqué, là aussi, par une instabilité politique et économique, ainsi que par une répression violente contre les travailleurs et les mouvements sociaux.
Le coup d'État de 1930 a en tout cas marqué le début d'une période d'instabilité et de violence en Argentine et qui a duré plusieurs décennies. Voyons maintenant le Pérou. Dans ce contexte de crise donc, le président Augusto Leguía, qui était au pouvoir depuis 1919, a tenté, quant à lui, de mettre en place des réformes économiques pour sortir le pays de la crise. Cependant, ces réformes ont été critiquées par l'opposition politique, qui a accusé Leguía de favoriser les intérêts des grandes entreprises étrangères au détriment de la population péruvienne. En 1929, là aussi, un groupe de militaires dirigé par le général Luis Miguel Sánchez Cerro a organisé un coup d'état militaire contre le gouvernement de Leguía. Sánchez Cerro a justifié le coup d'état en affirmant que le gouvernement Leguía a été corrompu et inefficace dans sa gestion de la crise économique. Le nouveau gouvernement militaire a instauré, encore une fois, un état autoritaire qui a duré jusqu'en 1933. Le régime a suspendu la constitution, a réprimé les opposants politiques et a imposé une censure de la presse. Le gouvernement militaire a également mené des réformes économiques visant à moderniser l'économie péruvienne et à diversifier ses sources de revenus en mettant notamment l'accent ici sur l'agriculture et l'industrie minière. Le régime militaire a là aussi fait preuve d'une répression violente contre des mouvements sociaux. En 1930, une rébellion a éclaté dans le sud du Pérou, dirigée par le général révolutionnaire Antenor Orrego, qui a été réprimé avec brutalité par les forces militaires. Finissons enfin par le Mexique. Là aussi, on peut dire que l'arrivée au pouvoir de Lázaro Cárdenas au Mexique en 1934 a été influencée par la crise économique mondiale qui avait commencé en 1929. Avant l'arrivée de Cárdenas, le Mexique avait connu une période de gouvernement autoritaire qui avait favorisé les intérêts des grandes entreprises étrangères et de la classe dirigeante du pays. Les travailleurs et les paysans mexicains étaient confrontés à des conditions de travail précaires et à une pauvreté généralisée. La crise de 1929 aidant à la remise en cause du système, Cárdenas a été élu président en 1934 sur un programme politique progressiste qui promettait de défendre les droits des travailleurs et des paysans et de lutter contre la corruption et les inégalités économiques. Il a commencé par nationaliser l'industrie pétrolière mexicaine, qui était contrôlée par des entreprises étrangères, et a créé la Société pétrolière nationale Pemex, qui est devenue un symbole de souveraineté économique pour le Mexique. Cárdenas a également lancé des réformes agraires pour redistribuer les terres aux paysans mexicains, et a créé des programmes sociaux pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et des pauvres. Ces politiques ont été mises en place dans le cadre de la Révolution mexicaine, un mouvement social et politique qui avait commencé en 1910 et qui avait pour objectif de mettre fin aux inégalités sociales et économiques dans le pays. Cárdenas a également encouragé la formation de syndicats et a introduit des lois du travail pour protéger les droits des travailleurs. Il a créé des institutions pour l'éducation et la santé, offrant ainsi des services sociaux gratuits à une population qui en avait grandement besoin. Sa politique progressiste a en tout cas marqué un tournant dans l'histoire du Mexique, contribuant à la création d'un État plus équitable et soucieux des droits sociaux et économiques de sa population. Mais attendez, comment tous ces pays d'Amérique latine ont fait face à la crise et ont pu s'en sortir? Eh bien, c'est assez simple, car globalement, on retrouve les mêmes mesures prises par quasiment tous les gouvernements pour tenter de contrer les effets de la crise de 1929. Première mesure, la dévaluation de la monnaie. Plusieurs pays ont en effet dévalué leur monnaie pour stimuler leurs exportations et réduire leur dépendance à l'égard des importations. Par exemple, en Argentine, le peso a été dévalué de 40% en 1931. Tandis qu'au Brésil, la dévaluation du real a été de 50% en 1932. Deuxième mesure, on assiste à la nationalisation de l'industrie. Là où les entreprises étrangères avaient un monopole avant la crise, certains pays ont nationalisé des secteurs
industrielles clés pour stimuler leur croissance économique. Par exemple, au Mexique, le gouvernement a nationalisé l'industrie pétrolière en 1938 pour accroître le contrôle national sur les ressources naturelles et stimuler donc la croissance économique et la reprise. Troisième mesure, les pays les plus touchés ont pratiqué, quasiment tous, des politiques d'expansion fiscale. Certains gouvernements ont augmenté les dépenses publiques pour stimuler la croissance économique. Par exemple, au Chili, le gouvernement a mis en place des programmes de travaux publics pour créer des emplois et stimuler la demande intérieure. Quatrième mesure, on a mis en place des politiques de substitution aux importations. Les pays ont cherché à réduire leur dépendance à l'égard des importations en développant leur propre industrie manufacturière. Par exemple, en Argentine encore une fois, le gouvernement a introduit des politiques de substitution aux importations pour promouvoir la production locale et réduire la dépendance à l'égard des importations étrangères. Cinquième mesure enfin, les politiques de protection sociale. Certains gouvernements ont introduit des politiques de protection sociale pour soutenir les populations les plus vulnérables ou les plus pauvres. Par exemple, au Brésil, le gouvernement a mis en place des programmes de distribution de nourriture pour aider ceux qui avaient des difficultés dans la crise. En résumé, on peut donc dire que les mesures prises par les gouvernements latino-américains pour contrer les effets de la crise de 1929 ont été diverses et ont varié selon les pays. Toutefois, ces mesures ont permis d'atténuer les effets négatifs de la crise sur les économies locales et ont contribué à la relance économique de la région à moyen et long terme. Pour conclure, la crise économique de 1929 a donc bien eu un impact considérable sur l'Amérique latine, qui a été gravement touchée en raison de sa dépendance vis-à-vis des exportations de ses matières premières, mais aussi à cause de la dette qu'elle devait aux pays étrangers. Les gouvernements latino-américains ont tenté de prendre des mesures pour contrer les effets de la crise, mais malheureusement, cela a créé de l'instabilité politique et on a eu souvent dans ces pays des coups d'État et la montée des mouvements nationalistes et populistes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose concernant la crise de 1929 en Amérique latine. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu en bas pour me soutenir, à commenter aussi si vous avez envie, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !